Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée « Cap sur votre objectif ». Alors cette vidéo elle est un peu particulière parce que là en fait je vais vous inviter à faire un exercice. Alors quel est cet exercice? Eh bien, vous allez prendre une feuille de papier et vous allez travailler sur trois choses. La première chose, vous allez sur cette feuille de papier décrire comment vous étiez il y a 5 ans sur le plan physique, psychologique, mental, les relations sur le plan des relations avec les autres, sur le plan personnel, familial, au travail, etc. Tous les thèmes que vous souhaitez aborder. Cela, il y a 5 ans. Vous allez faire la même chose, les mêmes thèmes, pour le présent, pour l'ici et maintenant, aujourd'hui. Et vous allez faire la même chose encore pour dans 5 ans, dans le futur. Toujours pour les mêmes thèmes. Comment vous serez dans 5 ans? Cet exercice va vous permettre d'avoir une vision passé, présent, futur de votre objectif, en ayant tiré les leçons du passé et en prenant aussi appui sur le présent d'aujourd'hui. Vous allez ainsi voir quelle est l'articulation de ces trois plans temporels, le passé, le présent et le futur. Si il y a 5 ans, vous vous apercevez qu'il y avait un domaine qui était un petit peu, entre guillemets, défaillant, eh bien, vous l'avez peut-être renforcé depuis cette époque. Ce que je dois aussi ajouter maintenant à votre attention, c'est de faire ce travail-là, sur le passé, le présent, le futur, à partir d'une échelle d'évaluation, de 0 à 10. 0 voulant dire que vous n'avez pas forcément avancé beaucoup dans cette partie de vie, par exemple sur le plan sportif, vous ne faites pas beaucoup de sport, et 10 étant le chiffre maximum, qui veut dire, par exemple, si je reste sur le domaine du sport, que vous faites beaucoup de sport, plusieurs séances, par exemple, par semaine, de jogging, etc. Voilà, pour chaque domaine de vie, comme on vient de l'examiner, vous travaillez à partir de cette grille d'évaluation, d'auto-évaluation, qui va vous permettre de vous situer, vous, par rapport où vous en êtes et par rapport où vous avez été, où vous en êtes et où vous serez dans 5 ans. Et cela va vous permettre d'avoir une vision claire. Vous allez pouvoir être au clair avec notamment ce que vous voulez atteindre. Et cela aura un effet très positif à la fois sur votre estime de soi et sur votre confiance de soi, qui sont généralement lié, parce que quand vous renforcez votre confiance en soi, ça impacte sur votre estime de soi et vice versa. Alors voilà les amis, je vous invite donc à faire ce travail dès que vous en avez la possibilité, et je serai heureux de vous retrouver prochainement. À bientôt, ciao.